notre champ de vision est là. Même avec grand entraînement, il reste là. D'abord, on revoit simplement très rapidement les bases. Je peux. Saisir, je peux frapper, et je peux sortir. Et donc, on travaille ici. Là, j'ai engagé les épaules maximum tout en frappant pour que je puisse bloquer son articulation qui n'arrive plus à regarder. Okay. Et donc, là, il y a plus de force que je pourrais faire. Alors là, et dans la rue. D'avoir réussi peut-être à m'en sortir et de prendre un coup par quelqu'un qui arrive derrière moi. Et comme j'ai ce champ de vision qui est vraiment réduit, il faut vraiment que je scanne et que je ne sorte pas en marche arrière. Parce que tout ce champ de vision ici, je l'ai vu. Par contre, je ne vois pas ce qui se passe dans mon dos. Donc, c'est un frein. Regardez ce qui se passe dans mon dos. Je commence à rentrer dans la problématique, sa tête est très basse. Là, il ne peut plus me contre-attaquer. Et comme j'ai dit, minimum, un coup, je le prends. Sur ce genre d'attaque, minimum, un coup. Un coup, je le prends. Et donc, ma tête est très basse, il attaque. Et là, j'essaie. Toujours le même principe de mettre le maximum de surface. Ça, c'est le parfait. Si je bloque là, avec ça, premier tir de l'avant-bras, premier tir sur l'avant-bras, c'est le parfait. La problématique, c'est que lui va continuer à attaquer. Et moi, je ne peux pas contre-attaquer. Et donc, je vais essayer de crocheter ici. Et dès que j'ai crocheté, coup de genou, fini. Donc, je vais essayer de rentrer. Plus fini qu'il y a une chance de m'en sortir. Il saisit, il frappe. Et il va falloir essayer de bloquer. Il ne m'emporte pas. Et là, pareil, je vais essayer. Essayer de. Je dis bien essayer. D'arriver à maîtriser le bras. Mais en bloquant, tel, je bouge. Venir. S'il m'emporte, par le champ, je vais parler de ça. Et là, si vous arrivez à frapper derrière le mec, c'est le temps de dans les mêmes. Merci. Là, ce que je te fais voir, c'est ce que. Pourquoi moi je ne le fais pas. C'est voilà, pourquoi il ne faut pas croire qu'il y a une sécurité quand tu tiens à côté. Je tombe sur un ravagé, il saute les doigts. Tes doigts, ils sont équilibrés pour toi. Par contre, ce qui est intéressant, ce que j'ai apprécié tout à l'heure quand il a fait le cours, c'est qu'en fait, le truc à faire, c'est bloquer. Et j'ai 8 sorts tout le temps. Et ça, c'est extraordinaire. C'est tout qu'il faut retenir. On fait la même chose. Hein. Je ne vais pas refaire bêtement ce qu'il a fait. Il fait très bien ici. Et si on bloque. Par contre, quand je vois des gens qui font ça, je ne le critique pas. Et c'est bon. Il faut être réaliste, c'est pas possible. Je fais un geste. Je fais ça. Et dès que je fais ça. Et là, tout de suite, je coupe. Voilà, je l'ai dit bord. Comme vous faites, hein. C'est la même chose. Là, on peut continuer le contraste des rotules. Donc ici, pas on détend. Je passe pas là, je passe ici. Là, j'ai l'oreille, c'est excellent. Donc, dans la gorge, au moment, il va être bien détendu. Ici, je suis là, j'arrive pas le nez, j'adore le nez. Là, chuteau, sans arrêt, je le fracasse. Là, je peux le détendre encore. Voilà, pour utiliser des techniques, mais c'est pour perfectionner. Ici, on remet sans arrêt, je frappe les points vitaux. S'il prend 3-4 coups dans sa gorge, il devrait être bien détendu. Non. Je suis saisi. Deuxième principe en punch check, on ne frappe jamais avec les membres de derrière. La rue, il faut aller très très vite, on n'a pas 10 rounds. Si je suis saisi, je suis en position neutre, je ne m'y attends pas, il ne va pas rester 2 heures comme ça. Donc je ne m'attarde pas à faire des clés qui ne marcheront jamais. Il va me mettre des patates en plus finir. Voilà. Et là, j'ai tous les points vitaux. Donc ce que je vais essayer de faire, dès que je suis saisi, c'est de rentrer sur l'eau. Donc je suis ici. Un. Elle là. Boum. Merde, c'est pas passé, il est de côté. J'ai pas mis, pas grave. Il est ici. Boum. Là, ici, ici, et pire, tout petit bien. Voilà. Je suis ici, bien, il n'a pas bougé, il est fort. Voilà, la tête, la gorge, voilà, je vois ça. Voilà, je suis sur les sans arrêt. Je suis
Je vais déstabiliser. Il ne faut pas qu'il trouve de solution pour se défendre. Je prends. Je vais être en embrouille avec un mec, je sais pas le problème. Vous avez touché la gorge ici, vous avez voulu. Sors de là, dégage, je ne veux pas te voir et tout. Là, c'est bon, il est à vous. Voilà, vous avez vu ? Il est plus là. Boum, voilà, voilà, c'est le blanc. Je veux pas parce que voilà, je sais qu'il ouais, c'est... Voilà, vous voyez ce qu'il fait, vous avez vu, il fait quoi, il met sa main, il fait ça. Et quand il fait ça, voilà, bah on tape. Hein. Ouais, c'est royal au bar, il y a une coupure, j'en profite. Parce que les jambes, les yeux, d'accord. Plus je vais esquiver, plus ça va être dangereux. Et quand même, si j'ai une paire de menottes, ça chie. On continue, mais il a deux mains maintenant, il n'est plus à une main. Et donc, travaille l'attaque. Ici, 1, 2, 3. Donc là c'est le même principe, ici, ma jambe, dès que j'ai commencé à dévier, ma jambe sort. Et avec le bras, ici, 3, 1, 2, 3, 4, 5, les armes, je sors. Non, j'ai refait ça là, j'ai venu ici, pour travailler. Donc la jambe, que ce soit la gauche ou la droite, l'essentiel c'est de le rentrer à l'intérieur. Et en même temps de frapper. Pour l'extérieur, c'est pareil. Si une seule personne, et là, ici, je sors de l'axe. Mais on peut imaginer qu'il y a un groupe, alors. Pour ressortir là-bas, je pars là-bas. J'ai pas, j'ai changé juste la jambe. Parce que la situation est douée. Ne prenez pas la tête avec la jambe. Je peux aussi bien avancer celle-là. Parce que il y a une route qu'il faut que je me retourne, pour rester dans l'axe. Okay. Là on me demande l'autre jambe, on ne prenait pas non plus la tête pour ça. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les armes, si je veux les armes, ça. Question ? L'essentiel c'est de rentrer. Allez-y, on n'imagine pas que c'est une jambe comme ça, parce que je frappe. Vous pouvez frapper vous. Pour ou batte de baseball. Et c'est le même principe, si je commence à reculer, pour moi trop difficile, à un moment donné je vais prendre. Okay. Et comme c'est un geste quand même qui est assez armé, et il attaque, donc, même si j'ai une paire de menottes, c'est pas un problème. Pivoter le buste, chose capillaire. La première chose que je vois c'est cette partie-là. Je rentre ici à l'intérieur. Et je peux saisir le genou. Si je veux prendre l'arme, je peux simplement frapper. Ok, donc là, 1, 2, tout genou, tout tibia, tête, du coup, armé, j'ai le temps de frapper. Si c'est une main, j'ai pas le temps. Là, j'ai oublié de travailler. Avec partie musculaire, pas partie osseuse, une main sur l'avant-bras, et une main là, je peux. Okay. Je ne peux pas dire à chaque fois, je vais faire 1, 2, 3. Parce que le jour où ça va faire 1, il va me tirer le bras, je vais chercher le 2 et le 3. Je dois toujours m'adapter. Ah, j'ai essayé de couper la coupure, tant pis, je suis sorti, je me suis adapté. La rue, de toute façon, s'adapter sans arrêt, il n'y a personne qui est parfait, il n'y a rien qui est parfait. Ni l'attaque, ni la défense. Et si je réussis dans la rue à faire 60% de ma défense, moi je suis plus heureux. Donc ici, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de casser la distance. On va reproduire la même chose que ce matin, pour ne pas être perturbé. Hein. Ici, je rentre, ici, coup de genou. Vous êtes là, cervical, on rentre. Bon, je tape là, ici, ding, je veux lander, et on peut détendre. Hein. Ici, voilà, ça part tout seul. Donc ici, je rentre, je me protège. Main, fais doucement. Ici, il n'a pas lâché. Gantin, quand tu veux. Après, pareil, on peut utiliser ça, on peut utiliser ça aussi. Que le bâton. Donc là, cette année, moi, je tenais absolument qu'on fasse venir Jean-Paul, parce que Jean-Paul, c'est quand même l'expert français qui est reconnu par les Israéliens. Mais c'est d'abord vous qu'on essaye de mettre aussi en valeur. Donc pour mettre en valeur, bah, il faut s'investir un petit peu. Ce que je disais aux instructeurs, c'est que sur place, il faut commencer à se fédérer. Sinon, je suis heureux de trouver des gens motivés, hein, et avec le sourire. Parce que
ça aussi c'est important hein, de ne pas être très sérieux. Et puis c'est tout, je tiens encore à vous remercier venus nombreux parce que si le stage est un succès, c'est grâce à vous. On est des sportifs avant tout, on aime ce qu'on fait, on a une passion. Hein. Je remercie Philippe parce que c'est lui qui a organisé. Moi j'ai rien foutu et je remercie Romain qui a fait toute la partie com. Mais ceux qui ont vraiment bossé, moi je sais pas si c'était comme nous on a rien foutu, feignant. Moi j'ai rien foutu, mais c'est eux qui ont tout fait. Donc je tiens à les remercier.